La transversale, deuxième dimanche de carême, c'est le dimanche donc, de la transfiguration. Il y a un ordre hein, dans les dimanches de carême. Les évangélistes ont choisi vraiment, j'allais dire, à bon escient hein, par l'Église pour nous faire entrer dans ce parcours de carême. Dimanche dernier, c'était les tentations, vous vous souvenez, où le Christ a été mis sur une montagne, hein, c'est la deuxième tentation. Aujourd'hui, il est mis sur une autre montagne. La montagne donc du mont Tabor où il va se transfigurer devant ses apôtres. Alors je voudrais prendre deux grandes parties hein, dans cette homilie aujourd'hui. La première sur le contexte biblique et liturgique de ce passage. Vous avez deux manières de comprendre le passage. Soit on s'en limite simplement à un passage très spirituel, très émouvant, où Jésus va prendre ses apôtres et puis il va leur montrer des choses assez incroyables et puis bon voilà, c'est très beau. Hein. Une belle parole du Père, quand même. Et soit on essaie de rentrer un peu dans la manière dont l'Évangile a placé ce récit. Et en fait, il y a un arrière-fond biblique très fort et liturgique aussi très fort, qui n'est pas sans intérêt pour notre parcours de carême que nous vivons en paroisse en ce moment. Et après, je retourne quelques petits passages de l'Évangile qui peuvent peut-être nous nourrir pendant ce temps du carême. Le contexte liturgique. L'Évangile dit, alors c'est curieux, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils nous ont chanté le verset, en fait. On dit, en ce temps-là, Jésus prie avec lui, Pierre, Jacques et Jean. En fait, l'Évangile dit, 6 jours après. 6 jours après, donc il faut regarder juste avant, du coup. 6 jours après quoi ? C'est 6 jours après la confession de Pierre à César et Philippe. Vous vous souvenez, hein, quand Jésus dit, mais que disent les gens sur moi ? Et après, et vous, que dites-vous ? Pour vous qui suivez. Et donc, vous avez Pierre qui fait cette magnifique confession de foi, hein, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 6 jours après, a lieu cet épisode de la transfiguration. Or, Pierre a prononcé cette confession de foi à César et Philippe le jour de la fête du Yom Kippour, grande fête juive hein, du grand pardon. C'était la seule fois durant l'année où les grands prêtres pouvaient prononcer le nom imprononçable de Dieu, Yahvé, le Seigneur. Ils ne le prononçaient qu'une seule fois par an, c'était ce jour-là, au Yom Kippour. Dans le Saint des Saints. Et puis, suivez ce qu'on appelle la fête des tentes, la fête de Soukhot, la fête des tabernacles, la fête des cabanes. Alors, c'est une fête qui dure 6 jours, une fête liturgique juive, qui célèbre quoi ? Qui célèbre l'exode du peuple hébreu dans le désert, plus spécialement la protection divine du peuple hébreu qui a dû traverser le désert, vous savez, pendant 40 ans et qui se réfugiait dans des tentes, dans des cabanes. Dans des tabernacles. Et donc, ça manifeste la protection divine et l'assistance de Dieu durant cette épreuve difficile du peuple qu'il a traversée dans le désert. Donc, vous avez 6 jours de fête des tentes, sous côte, qui commence le Yom Kippour, et qui se termine le jour, justement, où vous avez l'épisode de la transfiguration. Donc, le Christ a vécu la transfiguration au mont Tabor, le jour de la conclusion hein, de la fête des tentes. C'est pas anodin, hein. Ça nous montre qu'il y a un lien intime entre la transfiguration et ce qui s'est passé dans l'exode au désert. On ne peut pas déconnecter la transfiguration de cet épisode-là. La fête des tentes, c'est la fête de la protection de Dieu qui vient visiter son peuple, le nourrir, l'abreuver et l'abriter. Ça fait écho au prologue de Saint Jean, Jean 1, où il est dit Dieu, vous savez, hein, Dieu a habité, il est venu, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. En fait, littéralement, il est écrit, il a campé parmi nous. Il s'est fait chair, le Verbe s'est fait chair, et il a campé parmi nous. Du coup, l'incarnation, c'est le Christ qui est la tente véritable, dont les Épîtres aux Hébreux parlent. Hein. Il est le nouveau corps du Christ, la tente dans laquelle toute l'humanité va s'abriter. Il est la protection de Dieu qui va nourrir son peuple, qui a été préfiguré, si vous voulez, dans la fête des tentes, des tabernacles, et ça va être accompli dans le mystère de l'incarnation et exprimé ici de manière particulière à la transfiguration. Autre épisode biblique aussi, Exode 24. Dans Exode 24, vous avez donc la conclusion par Dieu de l'alliance avec le peuple, avec Moïse. Vous vous souvenez, Dieu a demandé à Moïse de monter sur la montagne. Il y est resté 40 jours, 40 nuits. C'est ce que nous disons pendant ce temps de carême. Et au sommet de la montagne, Dieu s'est manifesté hein, dans une grande nuée.
dit l'Exode 24. La gloire du Seigneur demeura sur la montagne du Sinaï, que la nuée recouvrait pendant 6 jours. Et le 7e jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la nuée. Vous avez donc une réplique, en fait, dans l'épisode de la Transfiguration, le 6e jour, hein, après la fête du Yom Kippour, donc ça rappelle Moïse au Sinaï, et puis la nuée, dont il est question de l'Évangile aussi, qui va manifester la présence de Dieu. Donc vous avez, pour nous, on n'est pas habitué à ça, on ne fait pas le lien, mais pour les Juifs, et pour nos trois amis, Pierre, Jacques et Jean, emmenés par Jésus sur la montagne, la nuée, le 6e jour, le Juif, il fait le lien direct. Il pense à tout ça. Et donc, ce qui va se passer à la Transfiguration est un accomplissement de ce qui s'est passé avec Moïse et dans l'épisode du Sinaï. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez, en fait, tous les événements de la loi et des prophètes dans la figure de Moïse et Élie, hein, qui discutent avec Jésus, on verra de quoi ils parlent, qui, en fait, nous montrent que... Pourquoi Moïse et Élie apparaissent à la Transfiguration? Pour montrer qu'en fait, tout ce qu'a fait Moïse, tout ce qu'a fait Élie, en fait, tout ce qu'a proclamé la loi et les prophètes, s'accomplit en Jésus. Donc Jésus est l'accomplissement de toute l'Écriture. Hein, il est celui qui va mener le peuple à travers la grande libération définitive, à travers la mer Rouge. C'est donc le passage dans la mort et la résurrection. Cette transfiguration aussi, et c'est ça qui nous intéresse aussi pour nous dans ce parcours de carême sur la liturgie, se passe donc à l'intérieur d'un calendrier liturgique précis. Le 6e jour, le Yom Kippour, la fête des temples, etc. Ça nous montre que du coup, le Christ va se révéler, il va fortifier ses apôtres, il va les préparer de façon ultime à la passion, à l'intérieur d'un calendrier juif précis, calendrier liturgique, dans lequel il va se soumettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous nourrit, nous enseigne, nous relève, nous fortifie à l'intérieur de la liturgie. S'il l'a fait, il ne l'a pas fait comme ça n'importe quel jour, c'est voulu, il l'a fait dans un temps liturgique précis pour les Juifs. Ça veut dire que pour nous, pour entrer dans ce que Jésus va nous révéler à la Transfiguration, il faut que nous entrions nous aussi dans la liturgie, de façon intense. D'où le programme qu'on vous propose, d'entrer dans ce parcours de liturgie, puisque c'est dans la liturgie que Dieu va se révéler, que Jésus va se montrer, qu'il va enseigner ses apôtres et qu'il va les relever. D'ailleurs, à la fin de l'Évangile, hein, vous avez remarqué, Jésus touche les apôtres et il leur dit « Relevez-vous ». C'est dans la liturgie que Jésus se révèle et nous relève. Alors, deuxième moment, hein, quels événements on peut retirer pour nous, pour notre nourriture, durant ce passage du carême? D'abord, Jésus va se manifester sur une montagne. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué, mais il y a beaucoup de montagnes, en fait, dans l'Évangile. Alors, évidemment, dans l'Ancien Testament, hein, l'Horeb, le Sinaï, mais vous avez aussi beaucoup de montagnes dans le Nouveau Testament, et notamment dans la vie du Christ. Montagne de la tentation, comme je vous disais, dimanche dernier. Jésus va être conduit par le diable sur une montagne. Montagne de la grande prédication des béatitudes, le mont des béatitudes, c'est une autre montagne sur laquelle Jésus va enseigner. Montagne de la prière, dit l'Évangile. L'Évangile dit que Jésus partit dans la montagne pour prier seul la nuit. Montagne de la Transfiguration aujourd'hui, montagne du Tabor, c'est une autre montagne. Montagne de l'angoisse, de l'agonie, sur le mont des Oliviers. Montagne du Golgotha, où le Christ a été crucifié. Et enfin, la montagne de l'Ascension, où le Christ s'est monté, s'est élevé dans la gloire du ciel. Vous avez donc une collection de montagnes, différentes montagnes où le Christ va vivre ses événements les plus importants de sa vie. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que la montagne à laquelle nous sommes ici, hein, la montagne de l'autel, la montagne de l'Eucharistie, c'est le lieu où Dieu va se présenter, va se révéler et va nous nourrir. Donc pour nous, c'est vraiment un moment d'élévation, la montagne. Il y a des gens qui sont sur des montagnes ici. On a de la chance, on n'est pas très loin des montagnes. Pourquoi beaucoup de personnes aiment aller en montagne? Pour différentes raisons, mais parce que la montagne est un lieu, en fait, un lieu mystique. Mais même, j'allais dire, pour des gens qui ne sont pas croyants, la montagne a quelque chose de magique. La beauté de la montagne, l'élévation de la montagne, qui manifeste l'élévation intérieure aussi. On respire de l'air pur en montagne. On a un champ de vue extraordinaire en montagne. Tout ça, évidemment, le Christ va accomplir
cette dimension de la création et de la recréation, il va se présenter et se révéler et nous nourrir. Évidemment, ça fait un écho direct à la montagne, surtout à la montagne du sacrifice. Et je vous renvoie à l'épisode d'Abraham qu'on a entendu en première lecture, le sacrifice d'Isaac, où Abraham a conduit son fils Isaac sur une montagne pour le présenter en sacrifice. L'évangile de Saint-Luc nous donne un indice qui n'est pas donné ici, c'est que Jésus s'est transfiguré alors qu'il était en prière. Donc la transfiguration est un événement de prière. C'est-à-dire que pour entrer dans cette révélation du Christ, qui va se manifester aux apôtres, qui va leur montrer sa gloire, c'est dans la prière. C'est-à-dire que pour nous, pour entrer dans le mystère du carême et bientôt de Pâques, dans quelques semaines, c'est dans la prière que le Christ va se révéler à nous. Concrètement, nous sommes invités à vivre des temps de prière, davantage que pendant le temps ordinaire. Prenez plus de temps, plus de minutes. Si vous n'en prenez jamais, ben prenez deux minutes. Si vous prenez bien un quart d'heure, ben poussez un peu la chansonnette pendant 20 minutes, une demi-heure. Si vous priez une demi-heure, ben poussez un peu plus. Mais c'est le temps de vivre sur la montagne du Tabor avec le Seigneur qui, qu'on le veuille ou non, ne peut pas se manifester sans un climat de prière. Souvenez à ce que Jésus dit à un autre moment dans l'Évangile, en dehors de la prière, il n'est pas possible de chasser les démons. Le vêtement blanc évoque aussi beaucoup de choses pour nos amis Pierre, Jacques et Jean et pour nous aussi. C'est le vêtement blanc des élus qui ont été blanchis et purifiés dans le sang de l'agneau, ce qui va révéler le livre de l'Apocalypse. Donc quand Jésus se manifeste avec le vêtement blanc, ce n'est pas simplement pour sa jette, c'est pour manifester la résurrection à venir et pour manifester qu'il est Dieu, il est la lumière, né de la lumière. Donc il se révèle comme le nouveau Moïse, en fait, pendant le temps de la transfiguration. Et c'est là qu'il va confirmer de manière très forte la foi de ses apôtres. Du coup, Moïse et Élie sont là comme des témoins de la passion du Christ. Et la transfiguration va être vécue comme un élément qui va fortifier les apôtres avant la passion qui va venir. Vous me direz, ça n'a pas été hyper efficace, puisque des trois privilégiés, Pierre, Jacques et Jean, il n'y a que Jean qui reste fidèle, puisque vous savez, les deux autres, avec tous les autres apôtres, sont partis, sont endormis, l'un a trahi, l'autre s'est pendu. Donc, en tout cas, même si tous ne sont pas fidèles, Jésus vient fortifier ses apôtres pendant ce temps intense de prière où il va manifester sa gloire. Vous avez du coup un nouveau rapport à l'écriture sainte aussi. C'est très lié à la liturgie et à l'Eucharistie que nous vivons, et notamment dans ce parcours de carême. Parce que Jésus va se présenter comme le nouveau Moïse, et Moïse et Élie qui discutent entre eux. De quoi ils discutent, dit l'évangile de Saint-Luc, Matthieu ne dit pas. Ça nous dit qu'ils discutaient de son départ imminent à Jérusalem. En fait, Moïse et Élie papotent avec Jésus sur son départ imminent à Jérusalem. Son départ, c'est quoi? C'est sa mort et sa résurrection. Donc Moïse et Élie qui discutent du mystère pascal avec Jésus. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, comment ça allait se passer. Jésus a dû les briser. Il a dû leur dire, regardez tout ce que vous avez annoncé par ma parole dans l'Ancien Testament, je devais l'accomplir dans quelques jours. Donc Moïse et Élie sont des témoins de la passion, en fait. C'est pour ça que la transfiguration, c'est une immense catéchèse et une immense préparation à la passion du Christ et à sa résurrection. Du coup, pourquoi l'Église nous invite à vivre la transfiguration pendant ce temps de carême? C'est pour entrer davantage par la prière dans la lumière de la passion et de la résurrection. La passion et la résurrection ne sont pas des événements tristes. Pour le chrétien, c'est source de lumière et c'est source de relèvement. Et c'est pour ça que l'Évangile se termine avec Jésus qui vient se pencher, parce qu'ils sont un peu effrayés, dit l'Évangile. Il s'approche. C'est ce que Jésus fait dans l'Eucharistie. Pensez à ce verset, vous pouvez fermer les yeux, et dites-vous qu'à l'Eucharistie, c'est ce que Jésus fait à chaque messe. Jésus s'approcha, le toucha. Vous allez manger Jésus, Jésus va vous toucher. Il va entrer en vous. Et il leur dit, relevez-vous et soyez sans crainte. Et dans ce temps de carême qui était difficile, Jésus il va nous toucher, il va entrer dans notre corps, par sa lumière de l'Eucharistie, que nous mangeons la lumière quand nous mangeons l'Eucharistie. Nous la mangeons, cette lumière. Et c'est cette lumière qui nous dit, relevez-vous et soyez sans crainte.